Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes impatient de rentrer? Oui. Ah ouais, on dit oui. Qu'est-ce que c'est? Le haut. Encore une fois le haut. Alors. Moto. Pas mal. Alors là, bravo, sympa. Vous allez constater que dans cette école, il y a une institutrice qui est là depuis 30 ans, qui a toujours la foi. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir progresser ces enfants qui ont des fois des situations compliquées. Moi, mon rôle, c'est justement de leur apprendre à lire, l'autonomie, et surtout de les aimer et d'être bienveillant avec eux. Et donc, à 12 élèves, forcément, on va donner plus de coffre à tout ça. Parce que là, vous les voyez quasiment individuellement. Exactement. Voilà. Alors, quels sont les prénoms de la classe où on entend le son M? Voilà. William. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a un M aussi dans son prénom? Dans Macron, on entend aussi. Et dans son prénom aussi, on entend. Monsieur Macron s'appelle Emmanuel. Il a aussi... Voilà. Il y en a même deux, il y a un double M. Voilà, parfait les enfants. Je vous emmène dans les mathématiques. Allez. Au revoir les enfants. On dit au revoir, monsieur le président. Au revoir. Bon, bah, bon courage. Hein. Et bonne rentrée les enfants. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que tout ça vous a donné. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je répète, j'ai mis combien en premier? Deux. Et encore après? Deux. Et encore après? Un. Cinq. Mais comment on a mieux? Et donc au total, il y en a cinq. Égal cinq. Ça fait cinq. Ça fait cinq. Alors, vous avez trouvé tous combien? Oui. Mais tous combien? Cinq. Waouh, super. Et tout ça? C'est ça, le fait de faire un suivi personnel, c'est bien. On aura plus de temps pour chacun, mais on pourra mieux voir les possibilités d'apprentissage et l'apprentissage ce qu'il faut adapter à chaque enfant. Je suis assez contente de ce dispositif, on va voir à long terme ce que ça peut donner, mais je pense que c'est intéressant. On travaille aussi en équipe, il y a une très bonne équipe, donc c'est ça, c'est déjà appréciable. Au revoir les enfants. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Vous allez bien? Bonjour. Pas trop stressé par la rentrée? Non. Un peu quand même. Normalement, on est un peu. L'objectif d'une classe externalisée, c'est aussi de s'intégrer dans un établissement scolaire, de s'adapter au rythme et au fonctionnement de l'école, de créer des liens avec d'autres enfants. Et il y a des projets conjoints avec d'autres classes. Voilà. Comme voilà, quoi, par projets, exemple des inclusions. Par exemple, l'an dernier, nous avons donc fait ce projet qui a duré toute l'année, parce que c'est un projet où on a mis vraiment plusieurs compétences. Donc, l'art plastique, le langage. Je m'appelle Alissa. Je viens de Madagascar. Ça se trouve en Afrique. C'est là, sur le planisphère. Tous les matins, j'enfilais mon uniforme. Au début, j'avais peur de tous ces enfants différents. Maintenant que je les connais tous, j'ai compris qu'on était tous pareils, même si nos écoles sont différentes. Je suis fière d'être dans cette classe. Bravo! Qu'est-ce qui était l'année dernière qui a fait? L'année dernière, j'en ai reconnu, hein. Alors? La mission qui est la vôtre est une mission fondamentale dans la République. Et la rentrée des classes aujourd'hui, quand je me suis engagé et que j'ai été candidat, c'est le premier chantier que j'ai mis sur la table, celui de l'école. Quand l'école ne fonctionne plus dans ses valeurs et ses fondamentaux, c'est toute une société, c'est le symptôme d'une société qui va mal, mais c'est aussi la perpétuation d'une société qui perd ses repères. Donc ce qui se joue dans votre quotidien, c'est la société française d'aujourd'hui et de demain. Donc on a besoin que ce soit grand. Ça va ? Macron, 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 Mac
Allez, salut, bonne rentrée. Au revoir.